Et maintenant, on arrive au prix GQ homme de l'année pour la femme de l'année. Oui, le prix GQ homme de l'année pour la femme de l'année. C'est super alambiqué, en fait, comme titre. On pourrait dire la femme de l'année, ou alors le âme de l'année, ou on pourrait directement donner le prix à Martine Aubry. Bref. Les nommés sont Léa Seydoux, Virginie Efira et Daria Tilly. Elle est aussi belle qu'elle est belge. On a le droit d'applaudir les femmes ce soir, on se l'est déjà dit quand même. Vous exagérez. Elle est aussi belle qu'elle est belge et cette année, elle a une nouvelle fois illuminé les écrans de cinéma parce que l'homme est une femme comme les autres. Merci d'accueillir la femme GQ de l'année, Virginie Efira. Un petit peu. Deux minutes. Concernant l'offre d'esclaves sexuels, ça marche Ok. Je te mets en premier sur ma liste. Bon, ben, merci beaucoup. Je me souviens avoir eu une fois un autre prix, c'était il y a longtemps, en 99, en 99. Le prix de bruxelloise la plus sympa, mais véridiquement. Donc, je ne me suis pas beaucoup pavanée avec, mais là, même si c'est lourd, je ne vais plus sortir sans. Donc, merci GQ, merci les garçons. Merci les filles et très bonne soirée. Allô. Merci Virginie. Alors attention, il y a un escalier au milieu. Aucun gentleman. Ah, quand même, on en a près de 300 ce soir.